Allez, on va un petit peu travailler et essayer de comprendre ces voicings de Mi 9. Alors, je vous rappelle que Mi, c'est le La, Si, Do, Ré, Mi, le 5 de La. Donc, on peut considérer que ces accords de Mi 9, ben, en fait, c'est des accords de Mi 7, c'est-à-dire 5e degré avec une 9e. Donc, on va avoir la forme de Mi par rapport au cajède, donc Mi, ok, la forme de Ré par rapport au Mi 7, ok, le Mi 9 par rapport au Mi 7 en forme de Do, ok. Ensuite, nous allons avoir, je regarde pour pas vous dire de bêtises, la forme de La par rapport au Mi 7. Donc ça va être ça. Et il va falloir étouffer la corde de Ré ici. Ok. Ensuite, on va avoir la forme de Sol par rapport au Mi 7, forme de Sol. Donc elle est ici. Donc soit vous pincez la douzième case, la corde de Mi, c'est un Mi, ok. Soit vous ne vous faites pas, hein. Souvent dans le blues, c'est cette forme-là qui est utilisée. Donc voilà les cinq formes de. Les cinq voicings de Mi 7 avec la 9e. Sauf que sur tous les exemples, je ne joue pas la 7e, je joue que la 9e. Voilà, à vous de travailler parce que c'est des accords vachement utilisés dans le blues. Et on va un petit peu travailler ces choses-là. Allez. Yeah.